faut que je prévienne Yuri. Yuri, plus de 4. Vulture et Electro sont 4. J'ai vu ça. J'ai aussi remarqué qu'un toit a explosé à Times Square. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Rien ne vous échappe. C'était la base d'opération d'Octavius. Il se sert des autres pour démanteler Oscorp. Vulture et Electro visaient les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Vino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Des nouvelles de Max. Hey Pete, ça va? C'est ce que j'allais te demander. Moi, ça va, mais toi et Tante May, vous êtes en plein milieu. On est débordé, mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Tu vois le truc? Ouais, je comprends. Pense bien à te protéger, gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. Et c'est encore plus vrai pour Tante May. Tu la connais, personne pourra lui faire une pause contre son gré. Voilà le réservoir. Mais aucune trace de Scorpion. Allez voir ça de plus près. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais? Derrière toi! Je t'achèverais bien, mais c'est Octavius qui paye, et il veut te voir souffrir, ce que je respecte. Bon sang! Qu'est-ce qu'il vient de m'injecter? Poison? Impossible! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Mais je peux pas prendre de risque. Je freine de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Scorpion s'est amélioré. Neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Je dois synthétiser l'antidote et vite. Faut d'abord un stéroïde naturel. Un extrait d'Eclipta Alba devrait faire l'affaire. La serre de l'université est pas loin. J'espère que c'est la saison. Bon, poison, c'est pas bien. J'aurais dû m'en douter. J'arrive à la serre! Il devrait y avoir de l'Eclipta Alba dans la serre. La voilà! Où elle est passée? C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est peut-être les deux. Doc? Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc, vous avez l'air... Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit, mes obsessions étaient déjà là.
mais l'interface m'a permis de les accepter pleinement. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ah, Peter. Toujours à vouloir prendre les choses en main, même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme indéfectible m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je n'y croyais plus. Ça va me manquer. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, oui, tu es désolé. Et pourtant, tu m'as laissé faire. C'est à se demander où sont tes priorités. Je veux dire, si c'était vraiment important à tes yeux, pourquoi tu m'aurais laissé m'auto-détruire ? Voilà le Kitan, là ! Mais il me faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Un des postes de recherche d'Harry développait une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là-bas. Des queues de scorpions géantes. Super. Merci, cerveau. Comment tu te sens, Spider ? Un vent de panique s'empare de toi. Scorpion ? Comment t'as eu ce numéro ? Les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est est-ce que je t'appelle. C'est peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que je fais mieux, je m'occupe de toi, Mac. Il m'aurait espécial. Bonne chasse aux éléphants. Voilà le poste de recherche. Juste là. L'atropine a disparu. Pas encore. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc ! Ah, mais si, c'est moi ! Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser mes chaînes. Arrêtez de fuir ! Laissez-moi essayer ! Je ne veux pas de ton aide ! Tu es nul. Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon. Non, arrêtez! Je vous laisserai pas tomber. Je vous en prie, parlez-moi. Je peux vous aider. Alors tu veux me traiter comme tous les autres, en me réprimant, en m'étouffant. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Je t'ai vu, Peter, prendre des notes, voler mes idées, une taupe dans mon laboratoire, et moi qui te prenais. Je suis votre ami, Otto, s'il vous plaît, voilà, la troupine. Synthétiser l'antidote. Faut que je retourne là-bas. Toujours avec nous. Presque, Jerry. Vous avez encore mis les dépenses. Oh, t'inquiète pas, Jerry. J'ai encore plein de surprises en réserve. On se revoit très bientôt, tous les deux. Je compte bien.
m'en doutais. J'ai réussi. Miraculeusement. J'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je crée l'antidote. Enfin. De me voler mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Je savais que tu riais de moi, comme les autres, dans mon... Tu croyais débarrasser de moi. Scorpion, tu es réel? Bouge pas, je vais te montrer. J'ai une ouverture. Encore une hallucination. Pour moi, je l'ai pas imaginé trop fort. Ce sera pas aussi facile. Bien sûr que si. Maintenant, je sais que t'es le poison qui essaie de me distraire. Je t'attends. Bien raté. Tu seras jamais bon à rien. Je dois pas me laisser attendre. Je vais toucher quand il s'arrête. Ah non. Le monde se porterait bien mieux sans toi. Et tu le sais. Je dois me débarrasser de lui et me concentrer sur ma tâche. J'ai eu. C'est comme les trolls sur Internet. On en mouche un autre prend sa place. Je me serais jeté sur cette balle. Ma voix intérieure a terriblement mal tourné. Cool. Que quelques-uns. T'as remarqué que Mary Jane va beaucoup mieux quand t'es pas là. Pense-y. Je préférerais affronter le vrai scorpion que mon subconscient. Jeff Davis est mort par ta faute. T'as anéanti cette famille. J'ai vraiment pas la conscience tranquille. Et encore un. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Voilà la centrifugeuse. Enfin, j'ai presque. Je crois que j'ai réussi. Où est passée ma tenue? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. C'est mieux. Bon, on va dire que rien de tout ça n'est arrivé.